qui sont partis, mais je devais reprendre ces esprits parce qu'ils sont là devant moi et je peux le voir en espérant qu'ils puissent se repentir. Mais plus sur la troisième phase. Parce que vous pouvez être assis là avec des pensées et me dire en face que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Maintenant, je ne suis pas responsable pour ceux qui sont assis là avec de mauvaises pensées sur la troisième phase, avec Jéhovah ici. Ce n'est plus sous ma responsabilité. Aussi, souvenez-vous simplement de cela. La vision de Patmos Jeffersonville. Et savoir que vous êtes assis là dans une réunion et savoir que vous devez être en ordre avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit et que avoir refusé le jugement de Dieu, les grandes cataractes, cascades derrière vous qui vont vous emmener vers votre damnation éternelle, la voix de nombreuses eaux, c'est l'épouse. La voix de grandes eaux. Comment allez-vous y arriver quand tout s'est enregistré dans la gloire? Quand cette voix est enregistrée, votre voix sera enregistrée, vos pensées sont enregistrées. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Savez-vous pas que vos pensées parlent plus fort dans le ciel que votre voix sur la terre? Certainement, Dieu connaît les intentions du cœur, il connaît tout à ce sujet. Et encore un endroit dans l'influence New York 1963, l'auditorium Marc. Dieu est omniprésent, il sait ce qu'il fait, même vos pensées. Un jour, j'étais dans une vision, je parlais à un être qui était près de moi et il m'a dit, tes pensées sonnent plus fort dans le ciel que ta voix sur la terre. Vous savez que c'était l'ange du Seigneur. Il sait ce que vous pensez. Vous pouvez peut-être dire vous faites ceci, vous faites cela, mais voyez, dans votre cœur, si vous pensez différemment, vous agissez mal. Vous devriez être simplement ce que vous êtes dans votre cœur et parler ce que vous avez dans votre cœur. Ainsi, nous voyons que les gens ne réalisent pas la présence de Dieu. Il devrait être comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, le Seigneur est toujours devant moi. Là où il va, il se souvenait toujours que Dieu était devant lui. Il est à ma main droite et je ne serai pas ébranlé parce que Dieu était à sa main droite. Vous y voilà, mes amis. Vous saisissez ce que je veux dire? Ainsi, assurez-vous que vos pensées soient correctes. Ainsi, prenons bien soin. Assemblée locale, au sujet de ce que nous disons et ce que nous faisons sur cette troisième phase. Soyons très, très prudents. Je vais vous lire dans Malachi 3. Alors, ceux qui craignent le Seigneur parlaient souvent l'un à l'autre. Ceux qui craignent Dieu, ils se parlent les uns aux autres. Et le Seigneur entendait. Il entendit. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Et ils m'appartiendront, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là. J'en ferai mes joyaux, je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors, vous retournerez et vous discernerez sur cette troisième phase entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Eh bien, nous y voilà. Tout est établi. Amen. Ainsi, les amis, 30 années sont passées et le monde est sur le point d'entrer dans une période de tribulation de 3 ans et demi dans les dents de Satan et exploser. Ainsi, reconnaissons notre message et notre jour pour être complètement racheté. Nous sommes dans un autre jour ici, une pleine rédemption, afin d'être scellés jusqu'en haut, et être rachetés, et entrer dans la résurrection, en étant nés de nouveau, ensuite testés, et puis adoptés. Vous comprenez l'ordre maintenant? Certains pensaient peut-être que certains étaient adoptés. C'est pourquoi Frère Robledo a dit, vous n'êtes pas encore adoptés, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas être adopté avant la dynamique. Maintenant, dites-moi où se trouve la dynamique sur cette terre. Alors, ils ne sont pas adoptés. Parce que vous ne pouvez pas commencer à ajouter les vertus avant que la dynamique ne vienne. C'est merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit où il y a la vertu et la connaissance et la tempérance et la patience et la piété et l'affection fraternelle et le Saint-Esprit.
Vous ne pouvez même pas appliquer le sang parce que le sang n'est pas chimique. Le sang est l'esprit. Le sang est la dynamique. Le sang est le Saint-Esprit. Ainsi, vous faites mieux de briser vos coquilles, sortir de vous-même et d'entrer dans le Saint-Esprit et ensuite prier la consécration, vous consacrer pour entrer. Ainsi, toute la folie est terminée. Venir à l'église ne signifie rien. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen, praise God. Okay, church, we understand it now. Nous comprenons maintenant l'église. Écoutez, New York, je vous parle en tant que pasteur. Dieu ne fait pas de chrétiens à moitié. Dieu fait des chrétiens entiers, complets. Pour être entièrement délivré du monde et des choses du monde. Parce que nous devons nous en aller d'ici. Vous ne pouvez pas aller dans la résurrection en étant à moitié dans le monde. Vous devez être entièrement racheté. Ainsi, gloire à Dieu. Frère Blomo, si tu veux me donner l'air, maintenant, tout le monde est prêt, vous savez où vous tenez, vous savez ce que vous cherchez. Priez pour moi. J'étais dans un mauvais état et j'ai eu des hémorroïdes et j'avais des douleurs et le médecin m'a téléphoné. Il a dit, Monsieur Coleman, j'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas d'hernie discale. Ainsi, je remercie le Seigneur de ne pas avoir d'hernie discale. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Walking up seven steps to perfection. Walking up seven steps to perfection. Oh, receive the fullness, the Holy Ghost. One more time. You're not, no, you're not. Ye are the temple. No, you're not. No, you're not, ye are the temples. No, you're not, no, you're not, ye are the temples. Oh, ye are temples of the Holy Ghost. Glory! Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Glory! Temples of the Holy Ghost. Walking up seven steps to perfection. Walking up seven steps to perfection. Walking up seven steps to perfection. Today, receive ye of the Holy Ghost. Did you hear what I said? Receive the fullness. Recevez la plénitude du Saint-Esprit, ce qui est la dynamique sur votre mécanique. Oh, praise God. Let's have a word of prayer. Prions.
Dieu Tout-Puissant, tu as convoqué ce jour. Personne ne peut l'arrêter, Seigneur, parce que tu as ouvert la fenêtre pour que nous puissions la voir. Tu as parlé à ton, au cœur de ton serviteur, Paul Griffin. Il m'a dit de le confirmer. Et nous voici. Et peu importe les conditions météo, nous te remercions pour hier soir. Nous te remercions pour ce qui va arriver aujourd'hui. Nous te remercions pour ceux qui vont être scellés, délivrés, réemplis. Nous te remercions déjà d'avance. Maintenant, Seigneur, fortifie mon dos, mes chevilles, afin que je puisse donner ce message. Gloire à Dieu. Maintenant, Père, que l'onction de Dieu descende maintenant. Alléluia. Père, oint les gens. Oint ton serviteur, Seigneur. Que ce soit des paroles parlées par l'Esprit, que la pensée de Christ puisse rejeter tout le reste et déverse le Saint-Esprit, Seigneur. Et oint-moi, Seigneur. Je m'attends à ma guérison. Je m'attends à un remplissage. Je m'attends à être fortifié aujourd'hui. Bénis la réunion, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, bénis la parole qui va être lue et bénis l'écoute dans les croyants. Dans le nom de Jésus, nous prions et demandons la bénédiction. Amen et amen. J'invite votre attention dans Isaïe 61, Isaïe 63 et Actes 1-8. Tout va bien. All right, now you're looking for the fullness of the Holy Ghost. Nous attendons la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en 1906. Nous sommes en 1996. Il y a 90 ans. The Spirit of the Lord God is upon me. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Et Isaïe 63, verset 4, « Car le jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est arrivée au temps présent. » Amen. Encore un endroit, Acte 1-8, et vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Pour quelques moments, un peu de communion avec vous. Quand vous voulez recevoir le Saint-Esprit, à n'importe quel moment, levez-vous et recevez-le. Hallelujah. Amen. Brother Norman, Frère Norman, j'ai un titre. L'année de mes rachetés est arrivée. Elle est ici maintenant. Amen. Pouvez-vous vous asseoir. J'ai un sujet. La rédemption en temps présent est par puissance pour vous appeler à la résurrection. Et nous vivons dans l'ombre. Ça peut arriver n'importe quand. Quand l'heure vient, quand pour ces choses arrivent, et la méchanceté de l'ennemi, les puissances. Je pense que je vais lire cela. Je l'ai là. Dans l'invasion des États-Unis, quelqu'un m'a donné cette citation à la page 7. Nous vivons dans l'ombre du temps. Ça pourrait être n'importe quand. Nous voyons ce temps arrivé pour que ces choses prennent place. La méchanceté de l'ennemi, les puissances. Lorsque nous regardons ces tempêtes de neige et tout ce qui se passe et toutes ces pestilences, différentes choses provoquées par ces interruptions, toutes ces bombes, toutes ces choses qui sont mélangées là-bas et qui veulent rendre confus les choses de Dieu. Mais cela va arriver. Vous comprenez les tempêtes de neige et toutes ces choses maintenant? Et aussi, nous voulons lire à la page 15.
When Jesus said, quand Jésus a dit, Jesus said, except a man be born of water, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même et ses plaisirs mondains, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix est un symbole de mort, d'agonie. Celui qui veut être un chrétien, qu'il se dépouille de ses propres pensées, qu'il se dépouille de ses œuvres, qu'il se dépouille de tout, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne cette croix consacrée et qu'il me suive journellement. Celui qui veut me suivre, qu'il fasse cela. Voilà ce que Jésus a dit. Est-ce que vous êtes prêt pour la troisième phase? Alors voilà ce que vous devrez faire. Il parle ici des femmes. La femme est une jolie femme, ce n'est pas des choses immorales. Mais je dis ceci. Il y a il parle des femmes dans la rue et tout. Il y a un esprit sur elle qui l'a fait faire cela. Pourquoi est-ce que n'importe qui mettrait ses sales vêtements et s'étalait là devant les hommes? Vous êtes jolie, sœur, maman, je remercie Dieu pour vous, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit pour protéger votre moralité. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes dames ici de garder votre vertu dans l'union invisible de l'épouse. Vous êtes jolie, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour protéger votre moralité, pour protéger votre féminité à l'intérieur. Il aurait mieux valu que vous soyez laide afin que personne même ne vous regarde et que vous alliez au ciel. Ainsi c'est mieux. Si une femme veut faire cela, être toute libérée, il vaut mieux qu'elle soit laide et qu'elle aille au ciel que de se laisser aller. Frère Branham était gentil. Il était aimable. Il a dit, ce vaudrait mieux que vous soyez laide. Est-ce que c'était gentil ça? Non, il reprenait des esprits. C'est juste, c'est vrai. Regardez ce que vous faites. Faites attention à votre moralité. Oh là là. Les gens n'aiment pas entendre ce genre de prédication, je le sais. Ils prennent les femmes, elles sont dévêtues, et puis elles sont là dans la rue, conduisent le taxi, elles feraient mieux d'être dans la cuisine, derrière le four, préparant les repas. Qu'est-ce qui se passe? L'invasion. Je ne parle pas des choses au niveau individuel. Je parle de ces esprits impurs qui possèdent les gens et qui les conduisent à faire toutes ces choses. L'invasion des USA. Et s'il n'y a qu'un seul, un seul chemin pour s'en aller d'ici, c'est le troisième pool. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. All right. Maybe see, but now to you, mother, that's mother. À vous les mamans qui ont des mères, que Dieu vous bénisse. Vous élevez vos enfants. We'll pick up on this invasion. We got to get to the homes yet. Amen. A lot of places and schools. Beaucoup d'endroits, l'école, mais l'invasion des États-Unis, le diable a pris le relais. La Russie n'a rien à voir là-dedans, la pourriture est au milieu de nous-mêmes. Ils pensent que nous sommes tous. Mais le jour où vous allez mourir, frères et sœurs, vous allez réaliser que je vous disais la vérité. Elle a commencé, l'invasion, l'heure est ici. L'heure aussi de la décision, et voici aujourd'hui. L'heure de la décision. Pas de venir à l'église, mais l'heure de la décision, à savoir si vous allez servir Christ ou si vous allez rester tiède dans votre église. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez entrer dans cette troisième phase, par le Saint-Esprit, au travers de la prière, la consécration, ou bien rester là assis, payer votre dîme, et ça dépend de vous. Ok. Si comprenez, les amis, dans la version de Jésus-Christ, page 15, maintenant nous parlons de la rédemption. Frère Branham parle ici, Éphésiens
le fait d'être salé, avoir la compte de notre salut, les airs de notre rédemption, ce qui est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là, les airs de notre rédemption. Dans les semaines qui viennent, l'enseignement sera basé sur la rédemption, pas sur la justification, mais basé sur la rédemption, pas sur l'office d'intercession, de médiation, mais sur la rédemption, parce que Jésus était dans l'éternité, ayant cet office d'intercession, mais un jour il est sorti, il a pris le livre, et il a brisé les sceaux, et il est descendu pour la rédemption. Gloire à Dieu. La rédemption est ici, au temps présent. Alors, c'est l'intercession, mais sur le fait d'être racheté, un héritage qui a été perdu, abandonné, et qui est racheté, racheté pour nous. Et comment il va venir, et comment Dieu l'a planifié, avant qu'il y ait un monde. Combien l'Église est ancrée en sécurité. Maintenant, ça a été 30 années. Les bandes de Frère Branham, les livres, les brochures, nous avons étudié la rédemption. Nous l'avons prêché ici. Maintenant, le temps est arrivé pour être complètement racheté, parce qu'il a dit, l'année de mes rachetés est arrivée. Gloire à Dieu. Ainsi comprenez, le message d'aujourd'hui est strictement sur le fait d'être racheté après 30 années d'enseignement de Malachi 4 sur la rédemption, sur vos droits de rédemption et comment vous avez le livre et comment vous avez été élu, prédestiné. On vous a enseigné cela pendant 30 années. Mais mon Dieu, l'heure est arrivée pour être racheté. Pas être un membre d'église, pas dedans, dehors, mais être racheté. Gloire. Réveillez-vous. C'est le temps d'être racheté. Ainsi, quand vous en irez aujourd'hui, vous allez comprendre la différence. Cette troisième phase pour nous faire sortir d'ici sera basée sur la rédemption au temps présent, chaque jour, au travail. Sentez quelque chose, il y a quelque chose là. À l'école. Basé sur la rédemption au temps présent par puissance. Une épouse rachetée par le sang rempli de l'esprit, scellée par la pierre de fête, préparée pour cette année, l'année de ses rachetés. Tout ce qui se passe, toutes les pestilences et toutes ces choses, Dieu permet cela. Maintenant, frère Paul a convoqué cette conférence par la foi, et par la foi, je vous ai appelé. Maintenant, vous savez le témoignage, comment nous sommes arrivés ici, le 7 janvier, il y avait un blizzard, comme en 93, est venu de Géorgie, de Caroline, et l'air chaud est venu du Gulf Stream. Il a dit, il y a une attraction gravitationnelle au nord-est, c'est pourquoi nous avons tant de neige et de blizzard par ici. Et frère Bellomo disait que son frère Belly est dans ces choses, il disait que le blizzard, il y avait un élément parfait dans la mécanique et dans la dynamique pour former un blizzard classique. Et je crois que l'heure est arrivée où les éléments parfaits, 30 années de mécanique, c'est maintenant prêt pour la dynamique parfaite. Cela a déjà été prouvé. Les morts sont ressuscités. Les infirmes marchent. Les éléments sont là. L'heure est arrivée maintenant pour que vous, gloire à Dieu, soyez en feu pour Dieu. Pour être dans l'attente, averti, voulez-vous être scellé, pas simplement être un membre d'église. Gloire à Dieu, alléluia. Si j'ai vu le blizzard, j'ai entendu la radio. He says, have service.
Mais je veux entendre ce que Dieu a dit. Il a dit, et la réunion, ici, ceux qui sont de l'extérieur, qui restent chez eux, mais les gens sont venus, même si la neige tombait. Et alors, il y a un vent plus haut, plus élevé, qui peut retenir cette tempête. Gloire à Dieu. Amen. Et ce jour-là, deux témoignages, et puis une demi-heure est fixée. Je l'ai prêché il y a 10 ans. C'est la bande qui était passée sur cette bande. Il dit, il y a un vent plus élevé qui peut détourner la tempête. Qu'est-il arrivé ici? Gloire à Dieu. Le 14 janvier, les frères Bledo, le Seigneur m'a dit, tu dois parler. Et il a dit, et quelle réunion nous avons eu? Nous avons eu 7 baptêmes au sous-sol, mais je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais c'était là. Quand vous allez faire un pas vers Dieu, quand vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu vous rencontrera chaque fois. Ainsi qu'est-il arrivé? Frère Paul, moi-même, nous avons convoqué ce week-end, et il y avait le Gulfstream. Et bizarre, un autre bizarre devait arriver jeudi et vendredi, et ça s'est transformé en pluie. Pourquoi? Parce que là, dans l'océan Pacifique, un vent plus élevé est venu en rugissant à 300 km à l'heure vers les États-Unis, vers la côte ouest, vers la côte est, et a aplati le blizzard, gloire à Dieu. Pourquoi? Afin que nous puissions être ici aujourd'hui et hier soir. C'est Dieu qui a convoqué cette réunion. Et maintenant, vous allez me dire que quelqu'un ne va pas être scellé? Que quelqu'un ne va pas être guéri? C'est Dieu qui a convoqué cette réunion, gloire à Dieu. Le diable ne peut pas l'arrêter. Les tempêtes, les vents, rien. Gloire à Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. Personne ne peut l'arrêter. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah, praise God. Hallelujah. Une demi-heure est fixée. Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce que c'est là? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un vent plus élevé. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous étions là hier soir. Dieu a ouvert une fenêtre. Et ce soir, la fenêtre sera fermée. Et le Gulf Stream du sud va venir. Et la mécanique du nord. Mais Dieu a ouvert cette fenêtre pour nous. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. What a mighty God we serve. Alléluia. What the world needs. Ce dont le monde a besoin. God is some sons of God. Ce sont des fils de Dieu. Ce dont le monde a besoin. Ce sont des filles de Dieu. Gloire à Dieu. Qui peuvent reconnaître Dieu. Reconnaître leur jour et leur message. Et rejeter loin. Père, mère, sœur, frère. Et aller de l'avant sur la troisième phase. Voilà ce dont le monde a besoin. Voilà ce que New York a besoin. Et ce que l'épouse, ce dont l'épouse a besoin. Alléluia. Alléluia. Glory. Then that means that these two meetings. Alors ça veut dire que ces deux réunions sont dans le but de Dieu. Et tout ce qui arrivera, c'est ce que Dieu a ordonné avant la fondation du monde, avant qu'il y ait un monde. Il y a ordonné hier soir et aujourd'hui. Et le diable n'a pas pu l'arrêter avec tempête de neige ou quoi que ce soit. Ainsi, frère, vous êtes venu ici, vous êtes là, gloire à Dieu. Vous êtes ici parce que c'est Dieu qui vous a amené ici. Alléluia. D'une manière positive, absolue. Gloire au Seigneur.
Jéhovah Jireh peut se pourvoir lui-même une fenêtre. Il peut se pourvoir un vent plus élevé pour venir du Pacifique pour aplatir ce blizzard. Il l'a fait. Ainsi, combien plus un vent élevé peut vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ainsi, les amis, reconnaissons notre jour et son message. Pourquoi nous sommes appelés ici? Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Il nous a fait sortir. Il y avait des millions et des millions plus dignes que vous et moi. Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés, nous? Reconnaissons-le aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. How far can I don't know. Hallelujah. Oh my, my. I'll just have to paraphrase it, recognize today's message. Je vais paraphraser, reconnaissez votre jour et son message. Vous devez ouvrir le mystère des sceaux. Appelez les ouvriers de la 11e heure pour recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous allez recevoir le même salaire, frère David. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Hallelujah. Hallelujah. Hey, 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 hey. Praise the Lord. Glory. Yes, sir. He said there were some people went out in the harvest. They were hired. Il dit, il y en a qui ont été engagés le matin, ils ont reçu un denier, d'autres sont venus à midi, et puis à la 11e heure, et ceci à la 11e heure, la dernière heure du jour, il y en a qui sont venus et qui ont reçu le même denier que ceux de la première heure du jour, à la dernière heure, c'est parfaitement ainsi. L'évangile, la vérité, le jour de la Pentecôte, et puis après il y a eu des âges sombres, et puis au milieu du jour, Luther, Wesley, et puis il y a un message du temps du soir, pour recevoir la même chose qu'au commencement, le message du temps du soir, est de restaurer à nouveau, et de ramener la même chose, et le diable ne peut pas l'arrêter, ce sera, et Dieu vous a appelé ici, dans un but aujourd'hui, je ne sais pas, gloire à Dieu, peut-être que c'est le jour où la dynamique va se déverser, peut-être que c'est le jour où Yahweh, Jéhovah, gloire à Dieu, va descendre et va commencer à marcher avec vous et parler avec vous. Peut-être que ceci est ce jour-là. Alors c'est le jour où vous serez scellé, le jour où vous serez guéri. Quoi que ce soit, dites Seigneur, c'est mon jour, c'est mon jour. Ainsi, les amis, reconnaissons notre jour. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a promis la même chose. Le message du temps du soir, de restaurer. Alléluia. Les mêmes signes, tout le même. Amen. Gloire à Dieu. Alors il a dit, vous êtes prêts à marcher? À la page 11, l'épouse a repassé en revue. La même épouse qui est passée au commencement, alors mon cœur a sauté de joie de savoir qu'elle revenait. Revêtue de la même manière, comme au commencement. Elle sera appelée, et je sais que c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, alors toutes les visions que j'ai eues, alors étaient fausses. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas une seule chose qui m'est dite qui ne soit la vérité, qui se soit produite. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons avoir le même denier. Gloire à Dieu. Le prophète l'a vu. Mais vous recevrez une puissance. Quand est-ce que vous allez recevoir cette puissance? Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, vous serez un témoin de cette troisième phase. Avec des signes prodiges, le fait d'être racheté complètement, arrivé à rédemption, vous serez témoin de la rédemption au temps présent par puissance. Vous serez un témoin avec des signes, des prodiges et des miracles qui vont vous accompagner pour confirmer que ceci est ce jour-là. Oh, nous sommes en route. Alléluia. En marche, la gloire, la résurrection pour faire s'accomplir Ésaïe 55:1. L'année de mes rachetés est arrivée. C'est l'année du jubilé.
Quand les captifs s'en iront libres, quand les infirmes marcheront, les aveugles verront, les morts ressusciteront, mon Dieu, gloire à Dieu, c'est l'année. Hallelujah. Hallelujah. Glory. My, 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 my. Hallelujah. Praise God, amen. À la page 16. Les gentils sont appelés, l'épouse est prête, l'enlèvement est proche. Pouvons-nous réaliser cela? Pouvons-nous en réalité croire cela? Est-ce que c'est une histoire qui a été racontée? Est-ce que c'est un mythe pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui semble réel? Est-ce que c'est quelque chose que nous croyons? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous, qui est plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude ce matin ici au tabernacle? Souvenez-vous, il y aura un petit troupeau qui va le recevoir. Oh, hallelujah. Dans la patrie, Israël est là. Afin qu'Apocalypse s'accomplisse, les sceaux se sont ouverts pour prouver. Le message a été transmis. Israël est sur la scène, prêt pour la fête des trompettes, et nous sommes en marche. L'année de mes rachetés est arrivée. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, the bride is ready. L'épouse est prête. My. Oh là là. What a people that'll be when it starts. Quel peuple devrions-nous être? Some of them, some of these days, praise God, in the rapture time that lays ahead. Dans le temps de l'événement qui se trouve devant nous, fièrement démontrant le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Amen. Le message de Dieu, marchant fièrement dans l'année des rachetés, être racheté, c'est l'heure que nous attendons, frère, appeler à la résurrection. C'est le message du sang de Dieu, l'heure dans laquelle vous vivez. Alléluia. Avec les 8:1, une demi-heure de silence. Parce qu'ils ont introduit le Messie. C'était le message de la mécanique et de la dynamique. Première et deuxième phase était la mécanique. La dynamique, c'est la troisième phase. La numéro un, le Messie, notre Rédempteur, sur la terre, en train de nous racheter par le message de l'épouse des sept tonnerres, connecté à la venue du Seigneur. Puis le message de Dieu est la parole de Dieu, et l'épouse est le sang de Christ par l'Esprit, parce que la vie est dans le sang, l'Esprit est la puissance de Dieu, gloire à Dieu, amen. Par mon Esprit, dit l'Éternel, pas par force ni puissance, mais par mon Esprit, dit l'Éternel, cette pierre de fête sortira avec des cris, criant grâce à la pierre de fête. Alléluia. Nous y sommes, mon Dieu, la troisième phase, la dynamique, cette voix vivante, retournez dans la puissance de l'Esprit, alléluia, reconnaissez votre jour. Reconnaissez votre jour. L'Église n'a pas reconnu son jour. La page 13, reconnaissez votre jour. Israël est de retour dans son pays promis. Elle ne sait pas comment elle a été passée là automatiquement. Les forces nationales l'ont remise à sa place. Maintenant, je veux dire quelque chose. Les forces nationales ont mis Israël dans sa patrie. Les forces nationales ont mis l'Église dans le Conseil mondial des Églises. Mais la puissance de Dieu mettra les gens dans l'épouse. Je parle de la puissance de rédemption. Je parle de la rédemption au temps présent. Alléluia, la rédemption qui se passe maintenant sur la troisième phase, étant racheté, c'est ce qui vous mettra dans l'épouse. Le monde tire par ceci, essayant de vous tirer par ici. Le monde tire de l'autre côté. Mais Dieu tire vers le haut, l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie, mettra l'épouse à sa place, parce qu'elle a reconnu la position, sa position dans la parole sur cette troisième phase, avec la dynamique sur sa mécanique. Alléluia. Gloire. Alors elle est en Christ. Cela mettra à sa place. Aucune force nationale ne le fera. Les forces nationales ont conduit Israël dans sa patrie, conduiront les églises, toute organisation dans le Conseil mondial des églises. Mais la puissance de Dieu va élever l'épouse dans la gloire. Oh, gens, reconnaissez votre jour. Dieu vous a averti. Jésus vous a averti. Le signe de Sodome et l'église est dans la condition dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Oh, ça, merveilleux.
Hallelujah. Oh, wonderful. Merveilleux. My. Yes, sir. So you know where you're at now? You're on that third. Ainsi, vous savez où vous en êtes, maintenant, sur cette troisième phase. La dynamique, cette voix vivante, retournée dans la puissance, avec des épreuves plus difficiles, un signe de l'adoption. Cette saison, où être prêt pour la dernière trompette, la trompette sonnera. La dernière trompette, la septième trompette, la trompette de Dieu, gloire à Dieu. Soyez prêts pour cela. Et l'année de mes rachetés est arrivée. Le monde se désagrège, Shreveport. Où en sommes-nous? Nous voyons que les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédit pour ce jour. Nous voyons les choses mécaniques qui prennent place. Vous voyez ça dans la rue. Maintenant, dans cette année des rachetés. Maintenant, l'esprit, cette incitation, la dynamique de la parole promise qui va entrer dans son église. Et ici, après 30 années, j'essaie de proclamer ce jour. La troisième phase est ici, afin qu'il puisse entrer dans son église à New York City. Alléluia. Afin qu'il puisse entrer dans son église et les conduire au calvaire. Vous allez au calvaire. Au calvaire là-bas, et dans l'enlèvement, et nous y sommes. L'année de mes rachetés est arrivée. La rédemption au temps présent par puissance. La section fraternelle, premièrement, l'eau, première phase. La sainte descente, deuxième phase, reprendre tous ses esprits, prophétiser au sujet de ce jour-ci. Le temps de l'adoption, la dynamique, cette voix vivante. Et maintenant, l'esprit de la dynamique, la parole promise. Le calvaire, premièrement, vous allez devoir mourir vous-même. Et puis ensuite, vient numéro 2. Et puis, l'enlèvement. Ainsi donc, nous proclamons aujourd'hui l'appel à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Appel. L'appel à l'enlèvement. C'est le message du roi. Reconnaissons-le, les amis. Car nous sommes appelés à nous rassembler pour le son de la trompette, car la trompette sonnera. Et alors, il n'y aura plus de temps. Un rédempteur vous rachète complètement quand il vous rachète de vos troubles, de vos problèmes, de la maladie, des péchés, gloire à Dieu, tout ce qui ne va pas. Gloire à Dieu, il est votre rédempteur, il vous rachète complètement. Alléluia, gloire à Dieu. Quand vous êtes racheté, quelque chose, ça veut dire qui est ramené, tout ce qui a été perdu est ramené, rapporté, ce qui était tombé, ce qui était perdu, ce qui avait été mis là, dans le magasin de prêt sur gage. Alors vous êtes racheté, ramené, c'est racheté à un prix, et nous étions perdus dans cette race déchue, nous aurions dû. Mais nous avons contourné notre théophanie, gloire à Dieu, et nous sommes descendus ici pour prouver à Satan que nous venons du ciel et que nous allons retourner au ciel, gloire à Dieu. Ainsi, il est descendu pour vous racheter, vous et moi, par son sang. Et la rédemption n'est pas seulement par le sang, mais aussi par puissance. Puissance pour fermer le ciel. La puissance pour abattre les démons à gauche et à droite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous prenez cela comme votre propriété personnelle, vous avez été racheté par un prix. Alors vous ne vous appartenez plus à vous-même. Gloire à Dieu, comment osez-vous penser vos propres pensées? Comment osez-vous faire ce que vous faites? Vous lui appartenez. Vous pensez ses pensées et vous faites ce qu'il vous dit de faire. Vous êtes sa propriété. Vous avez été acheté à un prix. Et vous êtes sa propriété personnelle après avoir été racheté. Vous avez une représentation par prédestination pour vous appeler comme un rédempteur, comme un racheté, comme un vainqueur racheté. Comme la Samaritaine. Elle était blanche dans le ciel. Elle était tombée sur la terre et elle était devenue prostituée. Et ces prêtres religieux qui étaient tout blancs sur la Toussaint, sur la terre, mais avant la fondation du monde, il était noir. Ainsi, lorsque la parole est venue, il n'a pas pu la reconnaître. Mais quand elle l'a vue, gloire à Dieu, Dieu est descendu et a enlevé toute la noirceur et la blancheur pure est ressortie. Tu es un prophète, gloire à Dieu.
Ainsi, peu importe qui vous êtes ce matin, si vous êtes prédestiné, nous sommes prédestinés de Dieu, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous arrêter. Si vous êtes rétrograde ici, venez. Vous êtes ici, venez. Alléluia. Il y a assez de puissance pour réprimander le crack, la drogue. Il y a assez de puissance, gloire à Dieu, pour vous délivrer de quoi que ce soit. Alléluia, peu importe ce que c'est, la convoitise, la souillure, gloire à Dieu, tout esprit est réprimandé aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes l'enfant de Dieu. Alléluia. Frère, vous venez de quelque part et vous allez y retourner. Alléluia. Amen. Le parent rédempteur. Frère Branham parle ici de la haine, de l'amour, il dit. La haine a eu un commencement et aura aussi une fin. L'amour n'a pas de commencement, n'a pas de fin. L'amour est éternel. La haine aura une fin. Mais l'amour n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Alléluia. Et lorsqu'un homme aime une femme et qu'elle l'épouse, c'est pas parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Mais lorsqu'un homme trouve une femme qu'il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime. Et elle trouve un homme qu'elle aime, peu importe son aspect. Gloire à Dieu. Il l'aime, elle l'aime. Il ne se brise pas. Ce sont des chrétiens, ils sont mariés parce qu'ils s'aiment l'un l'autre, peu importe l'aspect de l'autre. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Il l'aime, elle l'aime, lui, ce sont des... C'est un couple éternel dans la gloire. Alléluia. Vous allez marcher là dans votre demeure d'or au paradis avec le fleuve qui va sortir sous le trône. Ne manquez pas cela. Gloire à Dieu. Ni la mort, rien ne peut les séparer parce qu'ils sont de l'éternité et ils sont sortis dans un espace de temps et ils vont retourner dans l'éternité. L'éternité est descendue dans un corps appelé temps. Alors, il retourne à nouveau dans l'éternité et il ne peut pas périr. Vous ne pouvez pas périr. Vous ne mourrez pas. Mais vous vivrez pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Nous y voilà maintenant. Voilà votre rédemption. Notre âme est rachetée. Mais maintenant notre corps va être racheté au temps présent. Nous venons de la gloire et nous retournons dans l'éternité. Toutes les maladies, tous les cas difficiles. Oh, gloire à Dieu. Nous ne mourrons pas. La puissance de Dieu est ici. La rédemption par puissance pour votre corps, pour vous faire sortir d'ici. Gloire à Dieu. Oh, si je n'étais pas malade. Gloire à Dieu. Mon Dieu. C'est le parent rédempteur. L'année de me racheter est arrivée pour vous ramener directement dans l'éternité, là d'où vous venez. N'est-ce pas merveilleux? L'année de me racheter est arrivée. Ça veut dire que la rédemption au temps présent est ici par puissance. Et découvrons l'ordre de la rédemption ici. Typifié ici notre quatrième exode. Ils ont eu le premier exode, nous avons le troisième. Malachi 4 a dit que l'exode est un parfait type de l'épouse pour aujourd'hui. L'exode est... Bien, je veux dire, la rédemption est de Dieu seulement. La rédemption est par le sang. La rédemption est par puissance. Et le Dieu au temps présent de la rédemption, par puissance, avec des signes, prodiges et miracles, doit faire s'accomplir. Sept esprits vont être libérés. Joseph perfection. La partie victorieuse de son nom.
Yes, sir. Oui, monsieur. The adoption promises, les promesses de l'adoption, on l'épouse, la troisième phase. Cette voix vivante, la dynamique. Perfection, adoption. Joseph, perfection, l'adoption, cet esprit d'Elohim. Le reflet de Jésus-Christ, la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, la même puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Les sept tonnerres, le message des sept tonnerres est en deux parties. Première partie, la révélation, dans les 30 dernières années. Deuxième partie, la manifestation. Maintenant, la troisième phase. Pendant combien de temps? 6 mois? Un an et demi, je ne sais pas. Mais ce sera là. Alléluia. Cette heure-là est ici maintenant. Les sept tonnerres sont les sept esprits d'Elohim dans ces 16 éléments. Alléluia. Révélant, je suis. La révélation des sept tonnerres. 4. Pour la rédemption en temps présent, par puissance, rachetant l'épouse du monde, nous allons nous en aller d'ici. Quand vous roulez sur la route, dites à votre épouse, chérie, nous allons nous en aller, nous allons nous en aller, nous allons nous en aller, jusqu'à ce que ça passe de là jusqu'ici. Et quand vous arriverez à la maison, chérie, nous allons nous en aller. Gloire! Rédemption en temps présent par puissance et finalement ici. Après Abraham, Isaac et Jacob, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Exode 6:3, Abraham, Isaac, Jacob, mais c'est par mon nom, Jéhovah, que je ne leur étais pas connu. À eux. Et Moïse a dit, qui dirais-je m'a envoyé? Je suis celui qui suis. Il ne s'est pas fait connaître Abraham comme ça. Mais Moïse, toi tu me connaîtras par mon nom, Jéhovah, Yahweh. Gloire à Dieu. Et vous également, mais ils ne sauront pas. Oh mon Dieu. Elohim a déjà apparu, Saint-Luc 17, 30, et il vous a promis, Jéhovah, la dynamique, dans les 28 jours qui viennent. Alléluia. Gloire à Dieu. Par mon nom, le Seigneur, Yahweh, le nom rédempteur de Dieu, ce n'est pas ainsi que je me suis fait connaître à eux dans la puissance, avec des signes, prodiges et miracles. Dans le livre de l'adoption. Si vous voulez, restez debout, vous asseoir, faites comme vous voulez. Moi, je vais m'en aller. Alléluia. Gloire à Dieu. À la page 16. Maintenant saisissez. Genèse 1:26. J'en ai parlé mercredi. Lorsque Dieu a fait l'homme, avant de le faire, il l'a appelé El. El, Ela, Elohim. La parole veut dire dans l'hébreu que c'est celui qui existe par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était existant par lui-même. El, Ela, Elohim. Ça veut dire le tout suffisant, le tout puissant. Celui qui existe par lui-même. Avez-vous remarqué cela? Dans Genèse 1, et Dieu a dit que la lumière soit. Et Dieu dit, et Dieu dit. Et Elohim dit, et Elohim. Mais qu'est-il arrivé lorsqu'on est arrivé à Genèse 2? Maintenant, nous arrivons ici à Genèse 2. Qu'est-ce qu'il a dit là? Le Seigneur, Dieu, Jéhovah, Jéhovah Dieu. Alléluia. Maintenant, il va faire quelque chose, gloire à Dieu. Il va montrer sa puissance. Il va créer un fils. Alléluia. Mais dans Genèse 2, il a appelé l'homme. Il a dit, J-V-H-U, Jéhovah, Yahweh, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis celui qui existe, celui qui a créé de moi-même un fils, un durateur, semblable à moi. Voyez sur cette troisième phase, la voix de l'archange, mon Dieu, va créer des fils remplis, des véritables fils, des fils nés, des fils adoptés, gloire à Dieu. Oh, je peux. J'ai de la difficulté à terminer. Alléluia.
Est-ce que vous saisissez la révélation maintenant? Elohim vous a fait sortir, vous a appelé, Dieu vous a appelé à sortir ici dans la peau humaine. Et maintenant, Yahweh est descendu pour faire ses fils amateurs, Dieu amateur, pour les créer, les former, les modeler, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et la piété, l'affection fraternelle et la charité. Alléluia. Formant, les modelant, alléluia, mon Dieu. Il a donné, Jéhovah, ça veut dire qu'il a donné à l'homme le fait d'être un Dieu amateur, parce qu'il est le Père Dieu, et qu'il a fait de l'homme un Dieu amateur. Ainsi, il n'est plus existant, mais il existe maintenant avec sa famille. Est-ce que vous comprenez ici maintenant, frère, l'inspiration de frère Paul ici, c'est de nous rassembler avec notre famille. Et nous sommes ensemble aujourd'hui, finalement, mon Dieu, avant que Jéhovah puisse descendre, il devait réprimander ces choses-là. Amen. Se rassembler avec sa famille, celui qui existe avec sa famille. Maintenant, Dieu a fait l'homme pour dominer sur la terre. Il avait la domination sur la terre. C'était le domaine de l'homme. Ce sont les Écritures. C'était son domaine. Il était Dieu. Il pouvait parler et ce serait ainsi. Il pouvait parler ceci et ce serait. Il était Dieu. Il est Dieu, Jéhovah, celui qui existait, mais maintenant, qui existe avec sa famille. Et ses petits avec lui, c'est là que nous sommes. Hallelujah. Combien comprennent maintenant? Saint-Luc 17, 30, Elohim qui vous a appelé à sortir, qui appelle votre famille. Et puis Jéhovah descend et il crée, il les transforme en fils de Dieu, adoptés par une rédemption au temps présent, par puissance. Shah! Il vous fait de vous des dieux amateurs, des fils adoptés. Et dans Jéhovah, comme Jonathan l'a prêché, Jéhovah, un nom composé en sept parties, tout ce dont vous avez besoin pour cette rédemption, pour ce voyage, sera en lui. Rien d'autre, vous n'aurez besoin de rien d'autre. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira un vent plus élevé pour qu'il vienne ici, pour que nous puissions avoir cette réunion. Alléluia. Genèse 22, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Le Seigneur guérira les cas difficiles. Le Seigneur va me guérir, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le nom de Jéhovah, Jéhovah est ici maintenant sur la troisième phase. Alléluia. Jéhovah Nissi, gloire à Dieu. Amen. Jéhovah Shalom, le Seigneur est notre paix. La paix sera toujours avec vous. Le Dieu de paix soit avec vous. Jéhovah Ra, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a préparé une table devant moi en présence de mes ennemis, psaume 23. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas le mal. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Jéhovah, Sidkenu, Jéhovah Shammah, le Seigneur est présent. Le nom composé en cette partie sera enveloppé en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes finalement approchés de l'heure pour que l'épouse, après Luther Wesley, la Pentecôte, le temps de l'adoption maintenant, le temps de l'adoption, est-ce que nous sommes arrivés à Jéhovah? Est-ce que c'est l'heure? Bien. Dans le véritable sceau de Pâques, la page 23, parle ici d'Abraham et sa semence après lui. Comment Dieu a montré à Abraham? Comment il a justifié Abraham? Au 16e chapitre de la Genèse, il a confirmé l'alliance. Il se nourrissait de son sein, El Shaddai. Il a confirmé, il a placé. Comme j'ai prêché le serment, écoutez-le. Il a pris Abraham, il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Il a donné une partie de son nom, Elohim. Et nous voyons qu'après il est apparu à Abraham. Et maintenant sa semence, regardez ce qu'il fait avec sa semence, la même chose. La semence d'Abraham passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant regardez, du Saint, baptême du Saint-Esprit dans la manifestation de son nom, révélant qui il est, la révélation de qui est Jésus-Christ, le baptême en son nom, etc. Cette révélation
Hallelujah. Voulez-vous dire que Jéhovah va diviser son nom avec l'épouse? Je ne sais pas. Il est apparu de la même forme qu'avec Abraham. L'esprit de discernement derrière lui. La même chose maintenant ici, sur la même forme. Nous sommes à la fin. Voyons ici le premier sceau. J'ai vu les ciels ouverts. Cavalier au cheval blanc. Appelé fidèle et juste. Il mène la guerre, ses yeux comme des flammes de feu. Il avait sur la tête plusieurs couronnes et un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Si je pouvais m'arrêter ici une minute. J'ai une bonne notion ici peut-être quand, et personne ne le sait, avez-vous remarqué que le nom de Jéhovah n'est pas correct? Tout le monde sait cela, Dr. Veil, vous savez cela? Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire correctement. Ça s'appelle J-V-H-U. Je veux dire, ce n'est pas Jéhovah. Il ne pouvait pas toucher ce nom-là. Dieu l'appelait, ce n'était pas son nom. Chaque fois qu'une victoire est remportée, quelque chose se passe, un nom est changé. Abraham fut changé en Abraham. Sarah fut Sarah, il fut changé à Sarah. Israël, Jacob, Israël, et Saul, Jacob, et vous aussi, gloire à Dieu. Maintenant regardez, oh gloire à Dieu, et Jésus, son nom sur la terre était Rédempteur Jésus, sur la terre, c'était le Rédempteur, c'est vrai, mon Dieu. Mais quand il a conquis la mort et l'enfer, quand il les a vaincus et qu'il est monté, il a reçu un nom nouveau. Voilà pourquoi ils poussent des cris comme cela, ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Est-ce que nous parlons de Yahweh? Jéhovah, qui? Dans les tonnerres. Alléluia. Le mystère qui va changer cette église, quelque chose, il doit se passer quelque chose. Un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Nous y voilà. Oh là là. Je suis celui qui suis. Le Dieu au temps présent, la rédemption par puissance. Cette rédemption au temps présent pourrait-elle avoir commencé? A-t-elle commencé? L'année des rachetés est arrivée. Qu'est-ce que le nom Yahweh est le Dieu activement présent avec son peuple? Ensuite vient la révélation que vous avez besoin d'être racheté au temps présent. Lorsque Yahweh descend et il s'est glissé ici dans cette église, tout à coup vous voyez des choses se passer, vous voyez des cas difficiles, des gens en train de procéder. Alors vous recevez la révélation que vous avez besoin d'être racheté par le même Yahweh. Alors l'église est en feu. Hallelujah. Vous avez besoin d'être racheté au temps présent pour la résurrection, pour l'enlèvement, pour le souper des noces, pour le millénium, pour la nouvelle cité, pour la merveilleuse nouvelle cité. Gloire à Dieu. Est-ce que ce serait le temps de Genèse, le temps de la vie? Et y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Je vous le demande aujourd'hui, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Vous pouvez être scellé, vous pouvez être guéri. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, au temps de la vie, et Sarah aura un fils, Saint-Luc 17:30, le fils de l'homme, a donné promesse, Elohim, Genèse 18:14, le même fils de l'homme qui revient comme la puissance de résurrection de la dynamique, la rédemption au temps présent par puissance. Qui est-ce? Je viens de vous le lire. Ceci pourrait-il être ce temps de la vie où Jéhovah Elohim va visiter son peuple au temps de la vie par la voix de l'archange? Est-ce que ça peut être le temps? Où en sommes-nous, gloire à Dieu? Réveillez-vous. Oh, alléluia. Le temps de l'adoption. Écoutez ici, le temps de l'adoption. Page 76, placé positionnellement, montrez où cela est. Dieu appelle ses enfants à part par une manifestation. Ils n'ont pas un mot à dire à ce sujet. Quelque chose se passe. Placé positionnellement, son fils, il lui donne exactement la même chose. Il est autant d'autorité, sa parole est aussi bonne que celle d'un archange. Et mieux, le fils est adopté. Amené sur un endroit élevé, placé là, son vêtement changé, ses couleurs. Le père a une cérémonie. Voici mon fils à partir de maintenant. Il est le gouverneur, il est celui qui gouverne.
gouverne. Il est sur ma maison, gloire à Dieu. Tout lui appartient, tout ce que j'ai lui appartient. Alors, nous revenons à ce même El Elah Elohim. Voyez-vous, nous arrivons à celui qui existe. Maintenant, nous retournons à Elohim et nous l'avons fait. Gloire à Dieu. Donc, Malachi 4, et puis ensuite, revenir par Jéhovah, qui a fait quelque chose après être passé Elohim pendant 30 années. Nous arrivons maintenant à Jéhovah, de retour au premier Exode, et nous sommes dans le troisième Exode. Est-ce que vous le voyez? Alléluia! Mon Dieu, nous revenons à Jéhovah qui a fait quelque chose, qui a donné la domination sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'il y ait des écureuils. Jéhovah qui a fait quelque chose. Moïse parle. 10 millions de mouches. Qu'il y ait des mouches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia, gloire à Dieu. Recevez vos promesses, frère. Soyez en feu pour Dieu. Reviens par Jéhovah qui a fait quelque chose. Il a donné la domination sur la terre. Qu'est-ce que nous attendons? La manifestation. La terre est en train de gémir, soupirer. À la page 107, remarquez la venue du Seigneur Jésus est si proche. L'esprit là-bas, il parle de Luther Wesley. Le baptême maintenant, juste au temps de la venue de la pierre de fer. L'Église doit être si parfaitement comme Christ au point où Christ et l'Église peuvent s'unir. Le même esprit. Et si l'esprit de Christ est en vous, il vous fera vivre la vie de Christ. Alléluia. Agir la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Jésus a dit cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh là là. Nous allons avoir un ministère. Nous avons un ministère qui vient, qui est exactement comme la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Malachi 4 a identifié le cri. Qu'est-ce que vous allez identifier? La voix de l'archange. Alléluia, oh frère, mon Dieu. Frère, nous y sommes. La manifestation est ici. Alléluia. L'esprit et l'épouse disent, viens. Qu'est-ce que ce sera? La voix finale. Dans la finale. La bouche de Dieu. Apocalypse 22:17. 1 Thessaloniciens 4:16. Est-ce que ça veut dire cela? Dieu activement présent au moment où il choisit de révéler son nom nouveau. Activement présent. C'est lorsqu'ils sont dans la Odyssée comme des esclaves damnés au-delà de la rédemption. Alléluia. Gloire à Dieu. Jéhovah. Elohim activement présent avec son peuple. Il est venu dans un homme, William Branham. Elohim, et maintenant il revient avec son peuple, ses fils, sa famille. Il revient d'Elohim, Jéhovah, vers vous. C'est assez pour vous faire crier, pour vous faire louer Dieu, de savoir qui vous êtes. Sortir d'ici avec une victoire. Voilà pourquoi il a dit, tempête, recule, gloire à Dieu. Je dois parler à mon peuple aujourd'hui. Je dois leur faire savoir qu'ils sont libres, libres de la domination du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Jéhovah, Elohim activement présent avec son peuple. Ensuite vient la révélation que vous avez besoin d'être racheté par la rédemption au temps présent par puissance. Car la résurrection, pour la résurrection, l'enlèvement, le souper des noces, nous approchons de cette heure. Pour que l'épouse, après Luther Wesley, les pentecôtistes, la parole, pierre de fête, Malachi 4, les promesses, Elohim, maintenant nous arrivons à Jéhovah avec ses petits, je suis celui qui suis. Jéhovah, au temps présent, le Dieu de la rédemption, en train de racheter, gloire à Dieu, ses petits, par puissance, la puissance, pour les faire sortir dans le troisième exode, avec une main puissante, pour la résurrection, pour l'enlèvement. Mon Dieu, nous y sommes. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que l'année de mes rachetés signifie cela? Gloire à Dieu, la puissance dynamique qui revient au temps de la vie. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes élus et Dieu vous appelle sur cette troisième phase pour la résurrection, pour être racheté. La rédemption est en présent par puissance. Quelle sorte de signe montre-t-il? Signe de la résurrection, Saint-Luc 17:30, Malachi 4, Apocalypse 10. La puissance de la résurrection. Le Fils vivant au milieu de nous depuis 30 années.
ressusciter des tombes de l'âge de Laodicée. Quel signe montre-t-il dans le premier exode? Signe de délivrance pour le délivrer de l'esclavage. Un signe de puissance. Fermez les cieux. Fermez les cieux. Et maintenant, il montre à son épouse, dans ce troisième exode, ces signes de la résurrection. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, vous recevrez une puissance pour vous faire sortir de l'Égypte spirituelle et de Babylone spirituelle. Hallelujah. Vous êtes dehors. Vous êtes sortis. Sortez de la gloire à Dieu. Votre place n'est pas là. Vous êtes ses enfants. Très bien. Je termine ici. Exode 14, 13. Et Moïse dit, restez tranquille et voyez le salut de votre Dieu. Car les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Tous ces Égyptiens, le monde qui s'agrippait à vous sur cette troisième phase, vous ne les verrez plus jamais. Merci Seigneur, je suis libre, libre finalement, libre finalement. Merci Dieu Tout-Puissant, je suis libre finalement. Alléluia, gloire. Mes amis, je termine. Israël est notre type. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est ici. Je dois m'en aller. Laissez-moi vous encourager. Israël est notre type. Maintenant, écoutez ceci. Une fois, Dieu. Quand Dieu le parle, il a dit que personne ne pourrait l'arrêter. Dieu l'a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit et personne ne peut l'arrêter. Alléluia! La rédemption par puissance. Il n'y a pas assez de démons pour vous arrêter de la domination du péché. Tout ce qui vous force, ce qui vous retient, ce qui vous lie, gloire à Dieu, vous êtes libre, tu es libre, frère. Gloire à Dieu, lève ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Personne ne peut l'arrêter. Ne craignez pas, restez tranquille. Gloire à Dieu, taisez-vous, vous les rebelles. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui vous a gardé, c'est Dieu qui vous tient. Gloire à Dieu, maintenant restez tranquille et voyez le salut de notre Dieu. Le Seigneur combattra pour vous et vous allez rester tranquille, taisez-vous. Exode 14, 19 et 20. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de feu partit devant eux et se tint derrière eux. Oh là là! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu, l'ange de Dieu, est passé de devant eux, derrière eux. Alors, là, Dieu est devenu là, était entre les deux au temps des problèmes. Et en cette heure-ci, Dieu va passer derrière et il va retrancher les démons. Alléluia! Libre! Libre! Retranchez les démons derrière vous, de votre pensée, les batailles d'esprit, l'imagination, la mémoire, l'affection, la conscience, des démons, retranchez-les. Alléluia. Tous les cas difficiles, les problèmes, guérison, scellement, les problèmes de famille, parce qu'il a promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai pas. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia, il va venir entre nous. Il va se tenir, il se tient entre vous et vos péchés. Parce que nous sommes dans le troisième exode. Nous sommes rachetés par puissance. Alléluia. C'est l'année du Rédempteur. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Au verset 20, elle vient entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas de l'autre de toute la nuit. Ceux qui refusent la lumière de l'inspiration des sept tonnerres et qui l'ont maudit, qui l'ont rejeté, vont marcher dans les ténèbres parce qu'ils ont rejeté la véritable lumière de Malachi 4 et il va cacher la rédemption à leurs yeux. Ils ne comprendront pas comment vous allez être modelés et transformés de la foi à la charité. Il va passer derrière vous. Il va la retrancher de vous. Et ici, qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Non, vous êtes ses petits. Vous êtes les petits de Jéhovah. Vous êtes sa famille, ceux qu'il a prédestinés depuis le commencement. Peu importe votre aspect. Peu importe, mais vous êtes ses petits. Hallelujah. Comment est-ce que vous allez être racheté au temps présent par puissance? Exode 14. L'ennemi, la mort physique, maintenant saisissez. L'ennemi de la mort physique les a atteints. Dieu lui-même. Hallelujah. Le diable pensait qu'il les avait. Dieu a dit à Moïse, amène l'amygdale juste là, dans un coin. Et Pharaon a dit, nous les avons, nous les tenons. Mais c'est juste là où Dieu veut vous amener. Maintenant même, Dieu, il vous a là où il vous veut. Vous ne pouvez pas bouger par ici, vous ne pouvez pas bouger par là. Et la domination du péché, ce qui était Pharaon, le monde, la domination du péché, ce que je veux faire ne fait pas. Et Dieu les tenait là, il les avait, là, juste où il voulait les avoir. Et alors, comment nous en aller d'ici? Mon Dieu, le diable rugissait. Il riait, et tout à coup, la colonne de feu est passée derrière. Et toute la nuit, il est venu un vent de l'Est. Alléluia. Toute la nuit, et le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il est venu un vent de l'Est qui les a baptisés du Saint-Esprit, et ils sont sortis en chancelant, titubant, gloire à Dieu. Ils étaient cachés dans la chambre haute. L'ennemi ne pouvait pas les voir. Alléluia. Et l'écrivain dit que Dieu était fâché quand il a regardé la mer rouge et qu'il a vu que ces petits-là étaient coincés. Alléluia. Et Dieu était furieux. Il a regardé et il a dit, retirez-vous et sortez du chemin, gloire à Dieu, parce que mes enfants doivent passer. Alléluia. Nous allons rentrer à la maison. Nous rentrons à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je parle physiquement, la rédemption physique, pas simplement votre âme, mais physiquement. Alléluia. Un nouveau corps, l'adoption, la rédemption de votre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le salut, la guérison, tout, les maladies, un type de la Pentecôte, mon Dieu. Alors ils étaient baptisés dans la nuée, la mer rouge, c'était un type du baptême du Saint-Esprit. Et puis alors il y a eu une réunion sur la tente de véritables croyants, et Moïse a chanté le chant des rachetés, et Myriam a pris le tambourin, elle a commencé à pousser des cris et à danser. Myriam a regardé en arrière, elle voyait la domination du péché retranchée. Chaque démon va être retranché. Vous allez être libre. Libre, frère David. Alléluia. L'Apocalypse 5, Jean a vu son nom dans le livre. Et il a chanté le chant de la rédemption. Tous dans le ciel m'entendent dire, moi, Jean, je suis racheté. Que les rachetés le disent. Que les rachetés le disent. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Alors, ceci est l'année de ma rédemption. Par quoi? Par la rédemption au temps présent, par puissance. Hallelujah.
Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Finish. J'ai terminé. Finish. Terminé. Glory. Hallelujah. He's here in his power. He's here in Il est ici dans sa puissance, sa puissance de rédemption. Il est ici. Prenez la puissance de sa résurrection dans votre vie et faire de vous une nouvelle créature. Oh, hallelujah. Hallelujah. My God, my mon God. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, my. Hallelujah, hallelujah. Oh, my. Thank you, Lord. Merci, Glory, Seigneur. Comme l'écrit lundi, la mer rouge est venue dans le chemin de Dieu. La mer rouge était dans le chemin de Dieu. Mais lorsque Dieu a parlé qu'il serait racheté, il a mis la mer rouge, il a mis Pharaon là. Il a mis vos épreuves, vos tribulations là, afin qu'il puisse prouver. Yahweh, Jéhovah, je suis celui qui suis. Libre, racheté, gloire à Dieu. Levez la main. Agitez vos mains vers Jéhovah. Bless you.